Recoucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 6 mars et là, aux alentours de 13h30. Et là, j'ai dans l'optique de terminer ce colo que j'ai commencé fin du mois dernier, que je devais faire en duo avec Jennifer le mois dernier, mais du coup, tant pis, je suis un petit peu en retard. Mais en fait, avec Jennifer, c'est ce que je crois, je sais plus si je l'ai dit dans l'autre vlog, elle avait fait celui-là, moi je l'avais pas fait. Mais elle n'avait pas fait celui-là et moi je l'avais fait. Du coup, on s'était dit, moi je vais faire celui-là et elle celui-là. Mais du coup, le fait qu'on fasse pas le même colo, peut-être que ça m'a un peu. Enfin, je me suis dit, ouais, c'est un drôle de duo quand même. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Mais du coup, là, j'ai envie quand même de le terminer parce que là, je l'ai recontacté, je lui ai redemandé parce que moi, j'aime bien qu'on fasse notre duo du mois. Donc là, je l'ai recontacté, je lui ai dit, écoute, faudrait qu'on se choisisse notre prochain colo pour le mois prochain, parce que je veux absolument reprendre dans mon rythme. Donc je termine celui-ci, et on s'est choisi un autre colo que je vous montrerai plus tard, parce que là, je suis bien installée, donc j'ai pas trop envie de tout rebouger. Mais voilà, donc je suis quand même bien avancée. Là, j'ai disposé toutes mes couleurs, donc j'ai plus qu'à le terminer, en fait. J'ai eu du mal avec le fond. En fait, j'ai fait le truc noir là, derrière, sa copine derrière ce matin. J'ai fait ça, du coup, je me suis dit, tiens, je vais reprendre les couleurs de ses yeux pour faire le contour. Après, je me suis dit, les fleurs. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris mon nuancier des Polychromos, hein, je fais tout au poly. Et je me suis dit, tiens, cette couleur-là, elle va bien avec le bleu. Donc, je me suis dit, du coup, est-ce que je fais le fond? Est-ce que je fais les fleurs? Est-ce que je fais les deux? Je me suis pas mal posé de questions sur ce colo. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être pour ça, du coup, que je ne l'ai pas avancé si vite que ça. Du coup, j'ai pris cette couleur-là, le 135, et je me suis dit, écoute, fais tes fleurs. Au départ, j'avais fait le cœur de la fleur là en rose, et puis du coup je me suis dit mais ça va pas aller si je fais le fond en rose, les fleurs en rose, ça va trop faire, à mon avis il va falloir que je rajoute une couleur. Et je me suis dit pourquoi pas faire du vert. Donc voilà, j'ai rajouté du vert en fait dans les fleurs pour pouvoir faire un rappel de vert dans le fond. Et écoutez, je trouve que pour l'instant c'est pas trop mal. J'aime bien ce que ça rend, je verrai bien quand ça sera terminé. Et puis voilà, et sinon j'ai une petite chose à vous dire, voilà, petit achat, c'était pas hier, c'était avant-hier, il y a mon mari qui devait porter ma fille à sa séance de conduite, hein. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit si t'as 2 minutes, parce que c'est une séance de 3/4 d'heure, donc des fois il faut qu'il s'occupe, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, il y a un nouveau livre qui avait sorti, je lui avais mis la photo dans son portable, et hop, comme ça il est allé me le prendre chez... le centre culturel Leclerc, voilà, donc c'est la petite nouveauté en ce moment, printemps, alors Disney avec des fleurs, forêt, voilà, trop belle, Brianna, ouais, il y en a plein que j'aime bien, ça j'adore, ça j'aime bien aussi, là-haut, franchement, il est pas mal, hein. Et avec les fonds comme ça de feuilles, par contre, c'est des assez grandes zones, donc je pense que là, je m'aiderais, comme je fais là, de l'essence, du White Spirit désaromatisé. Je vais peut-être vous rapprocher juste. Voilà. Normalement, je vous ai déjà fait voir un peu comment je faisais un peu mes vitraux. Mais écoutez, il y a toujours des nouveaux et nouvelles arrivantes. Donc, écoutez, sinon, il n'y a trop rien de neuf. Demain, je reprends le boulot. Fini les vacances. Là, les prochaines vacances, ça sera juillet. Mais là, ça va parce qu'en fait, cette période-là, elle est moins longue. Parce que du coup, là, on est repris. Enfin, voilà, on est en mars. Et les prochaines vacances sont en juillet. Que du coup, après, quand on a les vacances de juillet et qu'on est en vacances qu'en février, cette période-là, elle est plus longue. Avec Noël et tout, le jour de l'an dedans et tout, c'est long. Hop. Donc, celui-ci, je veux absolument le terminer cet après-midi. Et comme ça, je pense qu'après, je commencerai directement le Roi Lion. Parce que j'ai déjà fait faux bon à Jennifer ce mois-ci. J'ai pas envie de lui refaire faux bon pour le Roi Lion. En plus, je ne sais même pas trop où il se trouve, parce qu'en fait, je lui ai laissé m'envoyer des photos. Du coup, je lui ai dit, tiens, il y avait Zootopie et le Roi Lion qui m'intéressaient bien. Et du coup, elle m'a dit, écoute, le Roi Lion, moi, ça me dit bien. Donc, j'ai dit, ok, vas-y, on part pour le Roi Lion. Je ne sais même pas où il se trouve dans le livre, en fait. Bon, là, ça fait des démarcations, mais c'est parce qu'en dessous, j'ai une feuille. Mais ça va plus se voir, parce que... Voilà, White Spirit désaromatisé, un petit bout de coton, un petit peu avec mon doigt, et voilà, c'est fait.
Voilà. Mon doigt. Et voilà, c'est fait. C'est rapide, hein. Ça m'aide pour les vitraux parce que je trouve que faire des dégradés, c'est long. Surtout dans. Enfin, là encore, ça va, je trouve. Et encore à côté, les cases étaient un peu plus petites. Là, elles sont quand même assez grandes. Pour les toutes petites cases, là, ici, j'utilise pas. Hein. Mais c'est vraiment pour les grandes cases que j'utilise l'essence sans odeur White Spirit. Il y en a peut-être qui vont se poser la question pourquoi du White Spirit? Bah parce qu'en fait, ça a le même effet que l'essence sans odeur, sauf que l'essence sans odeur, bah, ça coûte beaucoup plus cher pour une petite bouteille comme ça que moi, j'achète carrément la grande bouteille de White, et puis comme ça fait le même effet. Alors parfois, il peut y avoir une petite odeur, mais moi spécialement, en fait, ça me dérange pas. J'adore l'odeur de l'essence, tout ça, donc ça me dérange pas. Et après, je trouve pas que ça a une très grande odeur. Au début, oui, mais après, non, ça s'évapore. Hein. Donc bah, voilà, il va être bien parti. Je pense pas que vous le reverrez dans ce vlog parce que du coup, bah, il sera terminé. Et donc, je le montrerai dans ma vidéo coloriage terminé. Et c'est cool parce que j'aurai celui-ci déjà de terminé. Et j'ai aussi fait un mystère dans le Looney Tunes tome 1. Donc là, je vais déjà partir avec deux colos de terminé. Donc c'est bien parti. Et puis bah si j'ai fini celui-ci pas trop tard, peut-être que je commencerai même. Excusez-moi, il y a un tracteur qui passe, j'habite en campagne. Peut-être que ouais, si je termine celui-ci, peut-être que du coup je commencerai même le Roi Lion. Je verrai ça. Mais écoutez, je vais vous abandonner pour cette partie-ci. Je vous dis à plus tard. Et recoucou, nous sommes le samedi 9 mars. Et là, il est aux alentours de 15h30. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous prendre un tout petit peu. C'est rare que je colo le samedi après-midi, mais là, en fait, je lutte pour pas faire de sieste. Je voulais pas faire de sieste cet après-midi, mais je voulais bien dormir cette nuit. Donc je me suis dit, bah vas-y, occupe-toi, plutôt que de rien faire ou quoi, de te mettre dans le canapé, bah va colo un petit peu. Donc là, je viens juste de m'installer, hein, j'ai encore rien fait. Je sais plus quand est-ce que j'ai colo la dernière fois, mais en fait, bah, je vous avais expliqué que j'étais sur. Mon duo du mois dernier que j'avais pas fini, que là du coup ça y est j'ai terminé et j'ai attaqué celui-là en même temps le même jour. Alors le bas j'aime bien, hein. Voilà. J'ai fait exprès de mettre des petites touches de vert dans les rochers gris, voilà. Et puis alors j'aime bien tout là, le vert, de toute façon mon combo vert comme ça au poli j'adore. Mais alors le rose là je suis pas sûre. En fait j'aime bien ce que ça fait là. Mais là, je me suis dit que peut-être j'allais reprendre genre par là un rose un peu plus foncé. Parce que je trouve que ça fait un peu trop flashy ce rose. Là, sinon, j'ai mis des paillettes dans le soleil. Donc en fait, j'ai pas voulu lui faire faux bond. Et je me suis dit, hop, fais tout de suite le duo de ce mois-ci avec Jennifer. Et comme ça, il sera fait. Ouais, voilà, on voit là. Ça brille. J'ai mis du stylo gel paillettes de chez Cultura. La marque Cultura et ça brille bien, j'aime bien. Voilà, et puis ouais, vraiment là, alors oui, j'aime bien là. En fait, ça c'est fait, je l'ai fait à la pastel là, l'intérieur. Sinon, là aussi, j'ai mis un coup de pastel sec et là, par contre, c'est du crayon. Mais ouais, là, je pense que je vais peut-être essayer de foncer un peu un rose foncé pour que ça fasse vraiment coucher de soleil, rose foncé, rose plus clair, je sais pas. Mais ouais, ce rose là me plaît pas beaucoup en fait. Je vais voir si je peux repasser parce que moi, comme j'estompe avec de l'essence, enfin du White Spirit, là, je sais pas si je peux repasser par-dessus. Tiens, bah ça va faire un essai, je vous redirai ça. Sinon, bah là, voilà, je viens de m'installer à mon bureau. Comme je vous disais, je me suis allumé ma petite bougie. Là, j'ai ma fille qui est en train de jouer à la Switch là à côté dans le canapé. Et puis voilà. Et sinon, j'ai mis aussi en porte-vue le bloc. Mais je sais pas si je vais laisser là-dedans parce qu'en fait ceux-là, bah, enfin les pages elles sont plus grandes que, je sais pas comment dire, ouais, vous voyez les pages là, elles sont plus grandes, il y a une marge. J'aime pas quand c'est plus grand, j'aime bien que ça ait la bonne taille, sinon bah en fait ça fait que de bouger les pages dedans. Après je sais pas si c'est vraiment très grave, mais j'en avais un d'avant, je l'ai mis dedans, je verrai si je le laisse ou pas, mais finalement je vais peut-être le laisser. Je suis en train de me dire parce que je vais pas m'embêter à changer de
de porte-vue. Bah écoutez, voilà pour cette partie-ci. Je pense pas que celui-ci vous allez le revoir parce que là je vais essayer de retravailler le fond. Peut-être que si j'arrive à finir les deux persos, sinon celui-là il aurait été très rapide. Et du coup, peut-être que mon prochain colo, j'irai peut-être dedans du coup pour le commencer. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Et recoucou, nous sommes le mercredi 13 mars et là je sais même pas trop quelle heure il est, aux alentours peut-être de 14 h. Voilà, donc j'ai terminé mon vitrau du Roi Lion. J'en suis un peu déçue parce que, allez savoir pourquoi, pour une fois j'ai commencé par le fond, à 95% des cas que quand je colo, je commence jamais par les fonds. Enfin, et là j'ai voulu faire le fond, mais sans vouloir me dire, tiens, cette couleur-là n'ira pas avec cette couleur-là. Enfin bref, je vous expliquerai quand vous verrez le colo, mais je suis un peu déçue de ce colo-là. Enfin bref, tant pis, hein. Je vous avais déjà dit que j'aimais pas trop le fond. Bon, voilà. Sinon, je l'ai quand même terminé. Et là, voilà, je me suis attaquée à celui-là. C'est les petites bêtes, hein, moi je dis comme ça, de Rita Berman. Et voilà, je vais faire cette page-ci. Je vais peut-être vous allumer juste 2 minutes. Hier, j'ai passé du gesso pour essayer de cacher un peu les lignes, parce que je l'ai trouvé un peu noir, un peu. Voilà, alors, je voulais les cacher un petit peu. Et j'écoutais parce qu'en fait j'ai ma fille qui arrive en même temps, je suis en train de lui faire ses devoirs en même temps que je colo. Donc j'ai mis tout plein de gesso hier, comme ça la page elle avait bien le temps de sécher. Et puis là je m'en allais le commencer, je me suis dit que j'allais vous montrer. Voilà mon petit colo en cours que je commence tout de suite et je le commence au polychromos. Voilà, donc voilà ma petite installation. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. À plus tard. Et recoucou. En fait, je me suis dit que j'allais vous reprendre. Donc là, en fait, il est 15 h. Il est une petite heure après l'autre partie que j'ai faite tout à l'heure. Et puis, je vous avais dit que j'avais mis du gesso. Et j'avais pas voulu m'embêter à mettre une couche de gesso, attendre que ça sèche, remettre une autre couche. Parce qu'en général, il faut que je mette plusieurs couches, hein. Moi, j'ai le gesso de chez Action. Donc, je ne sais pas si les autres gesso, par exemple, de chez Cultura, il faut faire ça aussi. N'hésitez pas à me dire. Mais en fait, là, j'ai mis carrément le gesso comme ça. Et après, j'ai étalé mon gesso. Et je pense qu'on voit dans quel sens j'ai étalé. Parce que du coup, vous voyez, ça fait quelques traces. Bon, par contre, j'ai envie de vous dire, on ne voit plus du tout les lignes. Peut-être que si j'éteins. Bon, par contre, on ne voit plus du tout les lignes noires. Hein. Ça, j'ai envie de vous dire, ça a bien fonctionné. Mais je pense que. En fait, quand je l'ai étalé, j'ai attendu un petit moment, j'ai fait un truc, mais vraiment 5 minutes, même pas. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai continué à le réétaler. Et en fait, je pense que c'était déjà un petit peu sèche. Et du coup, ça a fait des petites traces maintenant quand je colo. Je vois bien que ma feuille, ça fait des traces sur la feuille. Ça ne fait pas bien lisse, bien plat. Mais bon, ça ne va pas bien me déranger. Après, dans les feuilles, je trouve que ça fait un effet feuille. C'est pas dérangeant. Bon, après, ici, ça me dérange un peu plus. Je me dis que peut-être quand je vais fixer. Avec ma bombe, ça va peut-être lisser un peu le tout. Mais là, on voit légèrement, vous voyez que ça fait des traces là, comme ça. On voit que j'ai mis comme ça, en fait. Ouais, bon, on verra quand ce sera terminé. Mais écoutez, on apprend de ses erreurs. Hein. J'ai dû en mettre trop d'un coup. La prochaine fois, il faudra que j'en mette plus. Et en fait, j'ai mis le gesso avec un pinceau comme ça que j'avais acheté chez Action. Vous savez, je vous avais montré avec les paillettes comme ça dedans. C'est pas des super bons pinceaux, mais bon, pour le gesso, alors j'ai fait comme ça. Voilà. Donc, voilà. J'ai bien avancé en 1 heure, hein. J'ai presque fini ma fleur. Sinon, dans ce livre-là, je vous rappelle que j'avais fait ce colo-là. Bon, là, ça brille parce que j'ai ma feuille plastique. Voilà, j'avais fait ce colo-là. J'en ai fait quand même quelques-uns, donc du coup, je suis en train de faire celui-là. J'avais fait. Alors celui-là, comme ça, pourquoi? Parce que derrière, j'avais voulu essayer de faire un fond comme ça que j'avais vu sur la chaîne de Johanna Colo, avec un fond à l'acrylique. En soi, il n'est pas super beau, mais moi, je trouve que ça habille quand même le fond. Johanna, c'était beaucoup plus beau. C'est un peu la même technique, mais ça donnait nettement mieux. Mais écoutez, j'en suis pas dégoûtée de ce colo. Hein, donc, après, il y avait juste une petite fleur, il n'est pas ouf. Ah non, c'est de l'or. Ah oui, j'avais mis des petites taches d'or dedans. Et du même coup, j'avais dû faire soit un fond vert, soit un fond noir, parce que j'avais mis plein d'encre acrylique verte là. Donc c'est pour ça que j'ai les deux colos du même côté fait, parce que ça me dégoûtait de voir tout le temps le cracra par là. Et celui-là, j'aime bien, j'avais mis de l'encre
Une sœur et Newton, ça brille, même dans le fond et tout, j'aime bien ce colo. Donc j'avais fait ça. J'avais fait celui-ci, c'était mon premier colo que j'avais fait dedans. Il avait bien été aimé sur les réseaux, je me rappelle, quand je l'avais posté. Là, j'ai collé plusieurs pages parce que j'avais fait un colo que je n'aimais pas du tout. Et en plus, il m'avait cracra l'autre, donc j'ai collé deux pages. C'est pas grave. C'est la première fois que je colle. Mais en fait, j'en pouvais plus de voir le cracra. Et en plus, c'était un colo que je ne ferais pas. Mais... J'avais fait celui-ci aussi. Celui-ci, c'était un des premiers aussi. Et je me rappelle, pour le fond, j'avais utilisé des crayons aquarellables Art Grip, que j'ai toujours d'ailleurs, mais que j'utilise pas souvent. Et je crois que c'est tout ce que j'avais fait dans ce livre. Ouais. Donc ça va, j'en ai déjà fait quelques-uns quand même. Voilà, voilà. Tout ça pour vous montrer ça. Et puis bah, pour vous montrer que j'avais pas très très bien étalé le gesso. Donc comme quoi l'importance de bien étaler son gesso. Mais par contre, les traces, on voit plus du tout les lignes. Hein. Et ben voilà, je vous laisse pour cette autre partie. À plus tard. Et recoucou, bienvenue dans la suite de ce vlog. Nous sommes le mardi 19 mars. Et puis ben là, il est aux alentours de 10h. Ben là, en fait, je viens juste de faire une petite vidéo. Là, je crois qu'elle fait à peine 10 minutes. Là, je suis en train de la mettre sur la chaîne de tous mes coloriages Maria Troll. Voilà. Donc. Ça sera pas une vidéo très longue, mais au moins, bah, comme ça, vous voyez ma collection de livres et puis mes colos que j'ai réalisés dedans. Donc là, bah, comme je disais, elle est en train de se mettre. Sinon, ma petite avancée colo, bah, voilà, hein, j'ai terminé ma fleur, j'ai fait mes petites bébêtes. J'ai mis de la paillette, là, dans les... Je sais pas si vous voyez, là, dans les petites bébêtes. Et puis, j'ai commencé à faire la verdure un petit peu tout autour, voilà. Par contre, je réfléchissais, ouais, il me semble que je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si sur du gesso, on peut mettre de la pastel sec. Écoutez, j'essaierai après de voir ce que ça donne à la fin. Pour l'instant, je vais continuer à faire tout le contour. Sinon, j'ai fait une autre petite chose aussi hier. Je vais vous faire voir en regardant la roue de la fortune avec Eric Antoine. J'adore. Enfin, j'adore Eric Antoine. Donc. Et bah, en fait, j'ai fait ça. Voilà. Alors, l'idée vient pas de moi, hein, du tout. J'arrêtais pas de voir ça sur, sur TikTok. Alors, comment vous montrer hop. Moi, donc, ce sont mes feutres Faber-Castell Pitts. Je n'ai pas fait les tombeaux parce que j'en ai pas beaucoup. Voilà. J'avais fait un nuancier comme ça, vite fait. Et sur TikTok, bah, en fait, j'arrête pas de voir ça. Les filles, elles ont fait un petit nuancier comme ça, avec un trou dedans. Alors, je vais vous montrer, mais bon, peut-être qu'il y en a qui connaissent, d'autres ne connaissent pas, hein, donc voilà. Mais je répète, l'idée vient pas de moi. Hein. Et je peux pas dire qui a commencé à faire ça, parce que j'en sais rien du tout, maintenant, il y a tout le monde qui le fait. Donc, à croire que l'idée est bonne. Hein. En fait, ça m'a vraiment pas pris mon temps, parce que les Faber-Castell Pitts, j'en ai pas beaucoup. En fait, j'ai fait ça dans mon canapé hier. Donc, j'ai fait ça, et derrière, j'ai mis... du papier de chez Action. Voilà. J'ai plastifié et après, bah, j'ai fait mes petits trous. Tout ça pour vous expliquer que, bah, par exemple, bah, pour chercher les couleurs, comment vous dire, bah, voilà, comme ça, on fait ça, regardez. On met le petit trou de la couleur là et bah, on voit laquelle se rapproche le plus. Et c'est pas une bonne idée, regardez là. Le zéro, bah, du coup, là, on voit que ça va. Là, on voit que ça va pas. Là, on voit que ça... Voilà. Je sais pas ce que j'allais dire comme mot. Mais voilà, c'est trop bien. Donc voilà, je répète, l'idée n'est pas de moi, je préfère répéter parce que des fois, voilà, je ne sais pas de qui du tout elle vient, mais je vous dis maintenant, il y en a plein qui le font. Donc voilà, puis j'ai mis du petit, j'ai mis le même papier derrière et j'ai plastifié et en fait après j'ai fait mes trous. Alors, vous auriez pu me dire, mais pourquoi t'as pas fait tes trous directement là-dedans et pourquoi tu l'as refait? Bah, parce que tout simplement, moi pour faire mes trous, j'ai juste un petit machin... un petit truc quoi, et du coup bah là au bord j'aurais pu faire, mais pour aller là au milieu c'était impossible de le faire, donc bah, c'est pas grave, j'ai refait mon nuancier vite fait. Franchement, ça m'a pris une heure, hein. Ça a été super rapide à faire. Est-ce que je ferais ça pour les tips? Je sais pas, en plus ça fait propre, regardez, j'aime bien. Je sais pas parce qu'en fait les tips, j'ai pas encore fait de nuancier, donc mais ça m'énerve parce que bah, ils sont pas numérotés, faut les numéroter un par un, et puis il y en a beaucoup plus que les feutres Faber-Castell, donc je ne sais pas encore si je vais avoir la foi de faire ça. Mais écoutez, voilà. Après, mes Faber-Castell Pitts, je les connais bien, quoi. Mais parfois, des fois, à une nuance près, c'est pas facile de trouver ces couleurs. Et bien, bah, maintenant, je trouve que bah, comme ça, c'est vrai que c'est sympa.
Donc, merci à celle qui a eu l'idée. Voilà. Mais écoutez, ça va être tout pour cette partie-ci et je vous dis à plus tard. Hello, nous sommes le lundi 25 mars et là, il est aux alentours de 14h30. Donc, voilà, je me suis dit que j'allais vous prendre bah, pour clôturer le vlog. En fait, je trouve que je vous ai montré tous mes colos en fait, en cours. Là, ça y est, je les ai tous terminés, mais bon, là, vous les verrez dans le prochain vlog, donc avec mes coloriages terminés du mois. Là, ce matin, je suis trop contente, j'ai bien bossé, j'ai fait toute la chambre d'une de mes filles à fond. J'ai même trié des fringues et tout, enfin bref. Par contre, je me suis fait un coup dans le dos, j'espère que ça va passer. Parce que quand c'est comme ça, j'en ai au moins pour 15 jours, mais là, je me suis fait un coup. Oh, j'ai trop mal au dos. J'ai toujours quelque chose, ça m'énerve. J'ai que 40 ans cette année et j'ai l'impression d'être une vieille mémère parfois, bref. Donc là, bah voilà, je me suis mis dans mon canapé du coup, je me suis mis un film, je me suis mis Independence Day avec Will Smith. C'est un vieux film, mais il fait au moins 2h20, donc je me suis dit que ça allait me prendre une bonne partie de l'après-midi. Et puis bah comme ça, je me suis commencé un mystère tranquillou là dans le Looney Tunes. J'en ai déjà fait quelques-uns dans celui-là. J'ai même fait un petit tracker du coup, pour savoir un peu où j'en étais, parce que je suis tout le temps en train de me dire lesquels j'ai fait, bah voilà, comme ça. J'ai fait le petit tracker vite fait. J'avais déjà réalisé celui-là. Je trouve que la peau de la mémé est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. J'en ai fait d'autres. C'est sûr, j'ai fait le dernier. Ah bah Ah bah oui, je suis bête. J'ai fait le dernier, mais en fait, il est derrière. Donc, c'est ça. Et j'en ai fait deux autres. Il y en a un, je crois pas qu'il faut que je vous le fasse voir. Bah voilà, celui-là, je peux vous le faire voir. Celui-là, je l'avais fait au crayon. Je trouve qu'il rend bien au crayon. Mais franchement, j'avais vraiment pas pris plaisir, pardon, à le faire. Ça m'avait semblé long au crayon de couleur. Et puis bah, l'autre, je vais pas vous le faire voir parce que c'est celui que j'ai fait ce mois-ci. Donc vous le verrez dans mes coloriages terminés. Donc et bah voilà, je pense mettre le vlog là tout à l'heure. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme petite photo de. Plus comment on dit, bref, mais je vais chercher et puis bah, je vais vous le mettre là dans l'après-midi, le petit vlog. Voilà, écoutez, je vais pas plus parler pour rien dire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt, bye bye.